Bonjour à tous, ici Dingodorwan. Aujourd'hui, on va tester une prise, une double prise connectée intérieure-extérieure de chez Meros. Pour ceux qui ne connaissent pas, Meros est une entreprise chinoise créée par des anciens de chez Microsoft, TP-Link, Cisco et MediaTek. Ils créent et développent leurs propres produits et applications. Ils sont déjà présents dans une vingtaine de pays aujourd'hui et ils veulent se développer et se faire connaître en Europe. Maintenant que les présentations sont faites avec Meros, regardons un peu de plus près cette double prise connectée. Une double prise connectée qui m'a vraiment intéressé car on peut l'utiliser en extérieur. Faisons un tour de boîte et déballage. Sur la boîte, ils indiquent bien en anglais qu'on est sur une prise extérieure Wi-Fi, modèle MWS620, compatible avec Apple Home et les assistants Google, Alexa, SmartThings de Samsung et Siri, puisque c'est Apple Home. De l'autre côté de la boîte, ils indiquent bien plusieurs langues, dont le français, que c'est bien une multiprise extérieure connectée. Ils indiquent étanche à la poussière, on peut l'installer sur un crochet mural, créer des horaires. On peut faire en sorte qu'elle s'allume ou s'éteint du lever au coucher du soleil et on peut commander à distance. En dessous de la boîte, on nous donne les caractéristiques techniques. On est sur une prise de 16 ampères, donc maximum, hein, il faut le savoir, 3520 watts. Il nous indique aussi une étanchéité en IP44. Pour être plus précis, IP44 c'est contre les éclaboussures et les intrusions de corps solides. On est dans le minimum d'étanchéité pour une prise extérieure. Il donne également les dimensions. Je vous mets également une petite image pour que ce soit plus clair. On est sur une longueur de 15,1 cm, 8 cm de large, 5 cm d'épaisseur et en longueur ça fait 28,5 cm pour le câble. On est sur une connexion Wi-Fi standard, donc du 802,11 en BGN, du Wi-Fi 2,4 GHz. Et pour la connexion, il faut soit un iPhone sous iOS, donc minimum 13 ils nous disent, et pour Android, minimum Android 6. Allez, passons maintenant au déballage. Et en ouvrant la boîte, on retrouve encore des indications qui sont quand même importantes. Ils disent qu'on ne peut pas utiliser cette multiprise pour les pompes, filtrage de piscine et les moteurs. On doit également utiliser la prise dans les endroits secs, ce qui est normal hein, puisque ça reste de l'électricité. Et ils nous disent qu'il va falloir utiliser l'application Meros pour la configuration. En dessous de la prise, on retrouve un petit manuel de conseil pour Apple HomeKit. En résumé, si vous avez un iPhone, vous pouvez vous connecter directement à la prise, une connexion directe. Si vous désirez vous connecter à la prise en extérieur, il vous faudra alors un appareil qui fait le pont. Un iPad peut faire passerelle, donc, mais bien sûr, il doit alors rester chez vous et rester allumé. Ou également un Apple TV. Ils nous disent une version 4 minimum. Ou un HomePod hein, qui est fait pour ça. On a également un guide de démarrage rapide. Et là, ça m'a fait un peu rigoler car ce document indique qu'on doit télécharger l'application et suivre les étapes sur l'application. Donc c'est vraiment très très rapide. Donc c'est tout ce qu'il nous indique. Après, on a des informations de sécurité, le rejet de leur responsabilité. Allez, pour finir, on a enfin la prise qui est de très bonne qualité, de très bonne finition à ce que je vois. Et à l'arrière, il nous indique qu'elle tolère maximum du 16 A, ce qui correspond à l'emballage. Donc n'oubliez pas, maximum 3520 watts. On a le câble d'alimentation, on voit il est très épais. Sur les prises, on a des cache-prises qui sont sur ressort et qui sont vraiment assez résistantes. Moi j'ai le modèle type F, c'est le format européen. C'est compatible avec tous nos appareils. Vous pouvez également avoir le format France-Belgique qu'on appelle aussi type E. Procédons maintenant à la connexion. La première chose à faire, c'est de télécharger l'application de chez Meros, disponible sur l'Apple Store ou le Play Store, donc pour Android. Une fois téléchargé, on se crée un compte sur l'application, on met son téléphone sur le Wi-Fi 2,4 GHz. Une fois que c'est fait, on peut procéder réellement à la connexion.
Pour commencer, on branche la prise, ça clignote rouge. On va sur l'application, on appuie sur le plus en haut à droite. On va sur une prise connectée extérieure, car apparemment la prise n'est pas reconnue directement par l'application. Je choisis bien mon modèle, hein. Je mets de l'image car ils se nomment tous MWS620. Je choisis le premier. Ensuite, ça clignote bien rouge et vert. Je fais suivant. La connexion s'effectue. Je donne les autorisations nécessaires pour la connexion. Et voilà, prise connectée en connexion directe à mon téléphone. C'est pas fini. Ensuite, je dois renommer la prise, donc je la renomme en prise jardin. Je peux personnaliser l'image de la prise, faire une photo ou choisir une image. Hein. Je prends le logo de base, hein. J'ai pas besoin de faire d'image, etc. Donc si vous voulez personnaliser, vous pouvez le faire. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, on peut le faire après. Pour finir, je dois connecter la prise sur mon réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Comme j'étais déjà sur le Wi-Fi 2,4 GHz, je dois juste indiquer le mot de passe de mon Wi-Fi. Donc j'indique le mot de passe de mon Wi-Fi. Je clique sur ensuite. J'attends 30 secondes et voilà, connexion terminée. Avant de pouvoir utiliser l'appareil, on me demande de faire une mise à jour que j'effectue tout de suite. Maintenant, découvrons ce qu'on peut faire avec cette application. Allez, découvrons maintenant l'application de chez Meros. Donc déjà le bouton. Donc j'appuie dessus. Voilà, ça allume les deux prises en même temps. Donc ça, je trouve ça dommage puisqu'on n'a pas de contrôle. Donc je ne peux pas allumer la prise 1 ou la prise 2. Donc je ne peux pas. En tout cas, on voit que l'application, elle suit. Si je souhaite, donc je vais éteindre. Voilà. Si je veux allumer le switch 1, donc là on voit l'indication LED qui indique la prise numéro 1 qui est allumée. Ensuite, je peux éteindre, voilà, j'allume le switch 2, voilà, je peux rallumer le switch 1, donc, et on voit le sens pour dire, voilà, telle prise est allumée, et quand la LED est pleine, donc les deux sont allumés. Et quand il n'y a plus de lumière, c'est éteint. Voilà, ensuite je clique ici, là on a le nom de l'appareil, si je souhaite modifier le nom que j'avais mis, voilà, et là on peut choisir un nom personnalisé pour chaque prise. Donc là j'ai laissé d'origine, switch 1, switch 2, ça me convenait pour les assistants vocaux, donc voilà, switch 1, switch 2. Ensuite on a la LED d'indication, je vais allumer, et ici je vais décocher, et vous allez voir, donc la LED est éteinte, je remets. On a l'indication LED qui est de retour. On a accès à un mode d'emploi si on le souhaite. Donc si on recherche une petite indication et tout, bon, on a toujours le mode d'emploi qu'on peut télécharger, toujours sympa. Le fuseau horaire, ça a été mis d'office lors de la connexion. La date et l'heure, pareil. La localisation, ça c'est mes coordonnées GPS. Donc je ne vais pas cliquer dessus pour vous montrer. Le signal Wi-Fi 65%, je suis un peu loin de mon routeur. Donc c'est normal que je suis à 65%. Quand je l'ai placé, parce que ici je l'ai récupéré de mon jardin, donc vous voyez ici, je peux vous montrer, donc l'étiquette n'a pas trop souffert, pourtant elle a été un peu mouillée et tout ça, avec la neige, avec la pluie et tout. J'ai juste essuyé un petit peu et elle a l'air comme neuve, donc vraiment elle n'a pas souffert. Voilà, après quelques mois dehors, le plastique est toujours bien intact et tout, donc ça j'ai apprécié. Donc numéro du modèle, version de mon firmware ici 7.3.3. J'ai eu qu'une seule mise à jour depuis la connexion où on avait une mise à jour. La version du matériel 7.0. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc l'application ici au niveau de la première interface est vraiment très très simple. Ensuite on a intelligent et là on peut créer des scènes et des routines. Donc scène, si vous avez plusieurs appareils, c'est utile. Sinon, ben, ça ne sert à rien si vous n'avez que la prise. Ensuite, la routine.
Donc par exemple, moi j'ai créé une routine, je vais vous montrer. Donc on clique sur le plus et là on a deux choix. Soit faire une routine donc selon un planning, soit sur un compte à rebours pour dire à la prise ici de s'éteindre. Donc si je veux que la switch 1, donc la première prise s'éteint après 15 minutes, je peux faire ça tous les jours de la semaine si je le souhaite. Voilà. Donc tous les jours de la semaine, je peux dire que je fais un compte à rebours et dire que quand ma prise jardin est allumée, je voudrais qu'il s'éteigne automatiquement après 15 minutes. Voilà. Donc ça, c'est une routine que vous pouvez faire. Voilà. Sinon, on peut faire autre chose. Donc, c'était indiqué sur la boîte qu'on peut faire au lever du coucher du soleil. Donc, c'est bien vrai. Il faut repérer, hein, ce que j'avais pas vu tout de suite non plus, mais sur le côté ici, vous avez lever de soleil et coucher du soleil. Donc, vous pouvez dire, par exemple, tous les jours au coucher du soleil. On peut dire soit 5 minutes après, ou 0 minutes, hein, juste au coucher du soleil, tous les jours de la semaine. Voilà. Voilà. Hop. Et là, allumer coucher, donc tous les jours de la semaine, le coucher du soleil va s'allumer. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire. Et bien sûr, vous pouvez dire d'éteindre au lever du soleil, etc. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc dans l'application, on a un forum. On a la boutique si vous voulez faire vos achats directement via l'application. On a dans l'utilisateur, donc vous avez votre nom d'utilisateur, vous avez des pièces, parce que quand vous achetez un appareil, tout ça, vous avez des pièces qui équivaut à des réductions plus tard. Mes coupons, vous avez droit, si vous avez des coupons, etc., que vous avez reçus, tout se retrouve ici pour acheter. Ensuite, Amazon Alexa. Donc c'est là que vous pouvez lier votre compte et rajouter le skills Meros directement via l'application Meros. Alexa, allume Prix de Jardin. D'accord. Alexa, allume Switch 1. D'accord. Alexa, éteins Switch 1. Comme on peut le voir avec Alexa, les commandes vocales D'accord. fonctionnent bien, donc ça c'est parfait. L'application est aussi simple. Une petite particularité que vous allez remarquer, c'est que la prise est séparée en trois parties. Donc la prise jardin que j'ai appelée, donc pour commander les deux prises en même temps, si vous voulez allumer et éteindre les deux prises en même temps. Et ensuite, on a switch 1 et switch 2, donc pour allumer indépendamment une prise ou l'autre. Donc ça, c'est bien fait. Maintenant, je vais vous montrer la création d'une routine. Vous allez voir qu'on peut connecter des appareils de différentes marques, de différents protocoles entre elles grâce aux assistants vocaux. On va sur plus. Vous avez routine ici. On clique sur routine, créer une routine. Donc on clique. Ajouter un événement. On va faire maison connectée parce que c'est là que vous allez retrouver tous vos appareils. Je vais prendre mon capteur de porte ici, D4, donc je l'ai appelé D4. Ouvrir, la scène, c'est quand ça va ouvrir la porte, donc suivant. Donc je vais laisser à tout moment. Donc sinon on peut modifier, hein, si vous préférez faire ça que à un certain moment de la journée, vous pouvez choisir le moment de la journée. Ici, l'action. Donc l'action, c'est allumer la prise. Donc je vais dans maison connectée, ici je vais dans prise et je vais prendre ici c'est le switch 1. Donc c'est une double prise connectée donc avec qui sont séparées. Donc vous avez switch 1 ici, switch 2 ici. Donc moi je vais prendre switch 1. Bien sûr je peux donner un autre nom, hein. Si je veux pas l'appeler switch, je peux l'appeler tout simplement prise 1 et prise 2, je peux le faire. Donc ça c'est mon organisation personnelle. Ensuite, activer. Voilà. Je fais suivant. Donc, ajouter une action. Donc là, je vais rajouter un délai de 30 secondes. Et là, chez Alexa, ça s'appelle... Bon, voilà, je l'ai quand même dit. Ça s'appelle patienter. Donc, patienter. Donc, je clique sur patienter. Ici, je vais mettre 0. Et là, je vais mettre 30. Peut-être pour la scène ici, je vais mettre 15.
ce sera plus rapide. Donc suivant. Et je vais rajouter une autre action, bien sûr. Je vais mettre donc maison connectée, prise, switch 1. Et là, je vais mettre désactiver suivant. Voilà. Donc je vais renommer. Je vais mettre test. Test routine. Voilà. Suivant. Je mets OK ici, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. OK. Voilà. Donc maintenant, on va tester. Donc soit je peux tester en appuyant ici sur le play, mais sinon je vais vous montrer. J'ai ramené le matériel exprès pour vous. Maintenant, je vais simuler. Donc je vais faire en sorte que la porte elle s'ouvre. Donc la porte elle s'ouvre, voilà. Je peux la refermer. Hein. Hop. Là la porte elle s'est ouverte, voilà. Ça a allumé directement la lampe. Donc ça a allumé la prise qui allume la lampe, bien sûr. Ensuite ici après 15 secondes ça devrait s'éteindre. Voilà, donc ça s'éteint comme prévu. Donc vous pouvez faire ça avec interconnecter des appareils différents. Bien sûr, il y a des limites, il y a des choses qui fonctionneront pas. Après, ça dépend les appareils que vous possédez, que vous avez. Mais si vous avez des appareils de domotique, donc de marques différentes, ben, et que vous avez un assistant, n'hésitez pas à les interconnecter. Ça peut être très utile dans une maison. Google Assistant, pareil. Et Google, allume Prix Jardin. Compris, j'allume Prise Jardin. Ok Google, éteins Prise Jardin. Ok, j'arrête Prise Jardin. Ok Google, allume Switch 2. D'accord, j'allume Switch 2. Ok Google, éteins Switch 2. D'accord, j'éteins Switch 2. Avec Google, les commandes vocales fonctionnent aussi très très bien. Ensuite, on a l'application Home de Google et là, on voit également que la prise est séparée en trois parties. Donc pour commander, donc la prise jardin pour commander les doubles prises et Switch 1, Switch 2 pour commander les prises indépendamment, l'une d'elles. Donc ça, c'est bien et j'aime bien aussi l'interface qui est sympa sous forme d'interrupteur. Donc avec SmartSync, voilà. Hop, il vous montre comment connecter. Hi Bixby. Allume prise jardin. D'accord, c'est noté. Avec Bixby de Samsung, les commandes vocales fonctionnent également très bien. Sur l'application SmartThings, on peut voir déjà que comme les autres, la prise est divisée en trois parties. Une partie pour contrôler les doubles prises en même temps. Une partie donc pour contrôler les prises indépendamment, donc Switch 1 et Switch 2. Et l'application reste assez sobre. Ensuite, vous avez aide, commentaires, mise à jour du firmware. Donc, j'ai pas eu de mise à jour depuis la connexion. Mise à jour. Voilà. Widget, donc on peut rajouter un widget et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi j'ai rajouté ici un widget, voilà. Donc en général, vous restez appuyé, widget, et vous avez les widgets, voilà. Donc les widgets c'est un raccourci, hein. Voilà. Hop, je retourne sur l'application. Utilisateur. Paramètres, dans paramètres, vous pouvez changer la langue si vous souhaitez. Mettre des vibrations, c'est pour les notifications. Donc il n'y a pas vraiment de notification à voir, sauf si vous voulez recevoir la notification des scènes que vous avez créées. Après, il dit suivez-nous sur Facebook, YouTube, Instagram. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc là, vraiment, l'application, elle est simple. Allez, passons à ma conclusion. Passons déjà au point négatif. Je trouve dommage que Meros n'a pas intégré le calcul de la consommation, voire le nombre de kilowattheures que nos appareils consomment, donc par jour, par mois, par année.
Donc il n'y a rien du tout là-dessus. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. On peut même pas avoir la puissance de fonctionnement des appareils, qui sont quand même des données très importantes aujourd'hui, où l'énergie coûte quand même très cher. Et l'une des utilités d'une prise connectée, c'est d'économiser l'énergie. Donc, et avoir les données qui correspondent, c'est toujours mieux pour savoir si ça fonctionne réellement et les économies qu'on peut faire. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des chiffres. Ici, ben, malheureusement, on n'a pas ça. La prise, après plusieurs mois, elle a bien résisté, hein, comme je vous l'ai dit, au froid, à la pluie, à l'humidité, même si elle n'est que IP44. Donc, vous ne pouvez pas la placer directement sur le sol à l'extérieur, sur votre pelouse, si c'est humide, etc. Donc, par exemple, elle doit être quand même placée en hauteur pour qu'elle dure dans le temps, minimum 25 cm de hauteur, ce qui est conseillé. Et c'est mieux si elle est légèrement également abritée et pas directement sous la pluie. Une chose à souligner aussi, c'est que la prise a très bien fonctionné malgré la distance et les perturbations Wi-Fi que j'ai rencontrées dans la zone où j'ai placé la prise. La prise m'indiquait seulement 13%, je n'ai pas remarqué de déconnexion. Prise plus étanche n'aurait pas pu laisser passer le réseau et il aurait fallu lui rajouter des antennes extérieures. C'est impossible pour moi de vous indiquer une distance réelle de connexion puisque chaque maison est différente. Selon l'épaisseur de votre mur, il y a peut-être un appareil électroménager entre votre réseau Wi-Fi et l'extérieur, etc. Les baies vitrées, etc. Moi, j'ai deux murs, la baie vitrée, plus l'arbre, les feuillages, etc., qui peuvent brouiller. Entre mon routeur et ma prise, il y a 10 mètres de distance. Parlons maintenant du prix. La prise coûte dans les 30 euros. On peut l'acheter sur le site de chez Meros ou bien chez Amazon ou AliExpress, donc on a le choix. Je vous mets tous les liens et codes promo dans la description. Le prix, je le trouve quand même raisonnable. Il faut en avoir bien sûr l'utilité. Sinon, on trouvera ça toujours trop cher quand on n'a pas l'utilité. On est sur une double prise quand même, donc ça fait plus ou moins 15 euros la prise. C'est très correct car la qualité de fabrication est excellente. Je pense avoir fait le tour de cette multiprise, mais si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Merci aux anciens d'avoir commenté, regardé et liké. Un grand merci d'avance aux nouveaux pour vous être abonnés. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Dingo Dorwan. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be in my mind.